Ça va ou quoi? C'est votre photo Storm. Aujourd'hui, c'est le premier match des S3 Street Games. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être très lourd. Le match aujourd'hui, mon gars, c'est avec l'équipe Bouscapé face à la team S3. Tu sais comment ça se passe. Gros médias, grosse équipe, grosse team. Que du flow, que des tricks. Ça va être sale, mon gars. T'inquiète, bientôt je les canne. Je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Les règles du match, elles sont simples. 4 cartons de 10 minutes et entre chaque carton un défi. La particularité du défi, c'est que le gagnant du défi peut inverser le score du match. Avant de commencer le match, je vais appeler l'arbitre de ce gros game. Mon gars Traf, faites du bruit pour mon gars Traf. Ça va encore, mon gars, au calme. On est chaud. Je crois que ça va être parti. Ouais, on est chaud. Ça va être gay. Carré. Les gars, vous êtes chaud ou pas? Ok, alors on commence tout de suite avec la compo de la team S3, mon gars. Alors c'est simple, au goal on a JM, en défense on a l'EMC, à gauche on a Brian, en attaque on a Andreas et bien sûr Moss. Côté Bouscapé, on commence avec Malik, Diwan, Nico Eke, El Colombiano, Robin et bien sûr Mohamed en attaque. C'est parti. Et c'est parti pour ce premier match des S3 Street Games avec l'engagement côté Team S3, voilà, ça joue conservation de balle. On a Moss sur le flanc gauche qui essaye un petit skill et l'arbitre qui siffle la faute. Moss qui repart une deuxième fois, qui réessaye. Attention, cette fois-ci ça passe. Moss sur le côté gauche qui la met à Brian. Brian qui le remet dans la course. Moss qui frappe et c'est le but. Golasso, quel but incroyable de Moss dès les premiers instants de ce match. De quoi mettre la pression à la team Bouscapé qui va devoir se réveiller très rapidement. Et c'est parti tout de suite avec la team Bouscapé avec Mohamed sur le côté gauche qui centre. Et on repart côté Bouscapé, l'interception de l'MC, l'MC qui parle, l'MC qui dribble, qui crochet, l'MC qui frappe. Et ça finit en corner, quelle frappe catastrophique. Regardez-moi ce ralenti, oh là 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 là. Là va falloir qu'il passe le test d'alcoolémie parce qu'il avait l'air complètement bourré. Le petit centre et finalement ça ne sera pour personne. Ah là 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 là, la team Bouscapé qui a décidément du mal dans cette première partie de mi-temps. On est parti avec Moss. Moss et le stop. Oh là là, regardez voir ce stop. Je demande un ralenti sur ce stop. On dirait qu'il l'a arrêté juste avec un orteil. Et on repart côté team S3 avec Brian sur la gauche qui décale sur Moss. La frappe et c'est sorti par le portier. Côté Bouscapé. Et on repart avec l'offensive. Attention, Nico Colombin qui essaie de se sortir. Oh la jolie passe. C'est joli. On repart côté gauche. Ça repart côté gauche. La passe sur Mohamed. Mohamed qui la remet dans l'axe pour le Colombien. Et le bon retour de l'EMC qui vient stopper cette offensive. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. La frappe qui sort. On repart côté Team S3 avec l'EMC dans l'axe. L'EMC qui l'a mis sur Moss sur la gauche. Moss, qu'est-ce qu'il va faire? Il la remet sur l'EMC. Le mauvais contrôle. Le mauvais contrôle. Et on repart avec le contre-attaque. La contre-attaque côté Bouscapé. La contre-attaque côté Bouscapé. La passe sur le Colombien qui est trop longue et qui finira en 6 mètres malheureusement. La team Bouscapé qui se la donne de plus en plus dans cette deuxième partie de mi-temps. Mais ça ne suffit pas à bloquer les offensives de la team S3. Encore une fois la frappe et finalement il n'y aura personne au deuxième poteau. Petit changement et ça repart tout de suite. Bouscapé sur le flanc gauche, le stop encore une fois de Moss. Moss accélération, le crochet, mais quel style incroyable sur Moss. La patte pour les pieds et le but. Voilà, une deuxième fois, quel but incroyable mesdames et messieurs. Quelle action de fou furieux, c'était vraiment incroyable. Et c'est la fin de ce premier carton mesdames et messieurs. On passe tout de suite au défi carton. Ok, alors on est parti pour le premier défi carton. C'est simple, mort si vite. Le premier qui marque a gagné, le premier qui rate a perdu. Pour le deuxième carton avec l'engagement côté Team Bouscapé. Personne n'a remporté le défi carton. Les scores restent identiques, toujours 2-0 pour la Team S3. Et on repart tout de suite avec Moss dans l'axe. Moss face au Colombien. Qu'est-ce qu'il nous prépare Moss? Oh, le panin incroyable! Le panin incroyable de Moss sur le Colombien. Je demande le ralenti.
quel pan incroyable. Oh là 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 là, je pense que son émission ne s'appellera désormais plus Wesh, mais au revoir. Parce que un pana comme ça, franchement, je pense que ça mérite même qu'on crée une playlist Bouska Pana sur leur chaîne. Et on part avec le goal, côté Team S3. Le corner qui ne donnera rien finalement. Et la contre-attaque côté Bouscapé, la contre-attaque, la passe du Colombien. Le 1-2 et ça fait but. Réduction du score de la part de la team Bouscapé, quelle action incroyable. Franchement, ils ont su parfaitement profiter de ce contre-attaque. 1-2-3 passes, c'était simple. Et ça fait 2-1 pour la team S3. Fin du deuxième quart-temps et on part tout de suite pour le deuxième défi carton. On passe maintenant au deuxième défi carton, le défi pierre, feuille, ciseaux. Vous avez vraiment besoin que je vous l'explique. Ok les gars, c'est bon, vous êtes prêts? Ok, c'est parti, pierre, feuille, ciseaux. Ouais, on t'a dit. Ça fait un point en plus pour eux. Alors on part tout de suite avec l'engagement côté Team S3 pour ce troisième quart avec Anas. Anas tout de suite sur le flanc droit, Anas qui frappe et ça passe juste à côté du montant droit. Côté Bouscapé, regardez-moi ça, crochet, hop, accélération, frappe et ça passe vraiment à quelques millimètres du poteau côté Bouscapé. On repart tout de suite avec le Colombien, la petite talonnade qui n'est pas sortie et le bon retour d'Andreas. Et ce sera une sortie de but. Une sortie de but. Andreas qui l'a remis sur Brian. Oh, l'interception incroyable côté Bouscapé. Brian qui n'était pas concentré. Et c'est sorti par le goal de la team S3. Fou, on peut dire qu'ils ont eu chaud, mais c'est pas terminé. On repart encore. Oh, mais quel crochet magnifique. Quel crochet incroyable. Et l'action qui ne finirait pas par un but. Regardez-moi ça encore une fois. Il a envoyé Brian dans le vent. Et il n'a finalement pas réussi à marquer. Et c'est la fin de ce troisième carton de la team Bouscapé qui a vraiment eu du mal à concrétiser ses actions. Ça me fait un peu penser à Nino qui a eu plusieurs occasions de jeter à Yet mais qui ne l'a pas fait. Et au final, ça lui a porté préjudice. Et c'est parti pour le troisième et dernier défi carton, le défi quiz. Et ça va être un quiz sur le rap. On va lâcher une punchline de rap et il va falloir deviner de quel rappeur il s'agit. Attention, pour valider le son, il nous faut le nom du rappeur et le nom du son. On va passer au dernier défi. Le défi quiz, pardon. Mais c'est bon, toi aussi, on prend la porte. Ah, ça y est, là, faut que je balance. Ils sont collés comme ça depuis Je crois que le temps passe vite, mais qu'on ne dit rien de ce qu'on a raté. Et on repart pour le quatrième et dernier carton avec la team S3 qui mène 4-1 après avoir remporté à ma grande surprise le défi quiz sur le rap face à la team Bouscapé qui doit l'avoir quand même assez mal pris quand même. Je pense que c'est un peu comme se prendre un coup franc à la 90e minute par Aya Nakamura. Je pense que ça fait aussi mal. Du coup, ils vont devoir se donner à fond pour tenter d'inverser la tendance. Le petit centre de Mohamed, ça sortira en sortie de but. Ça repart tout de suite avec le Colombien, le changement d'aile magnifique sur Mohamed. Qu'est-ce qu'il fait? Il temporise, il crochette, ça passe et la frappe qui est détourné par le portier de la team S3. La jolie roulette de Léamsi. Léamsi qui repart pour la contre-attaque. Léamsi qui se retrouve face au Colombien. Léamsi qui skise. Attention, V-move. Qu'est-ce qu'il fait? Fin de corps. Crochet. Il essaye de l'envoyer. Qu'est-ce qu'il va faire, Léamsi? Le stop du Colombien. Magnifique. Je demande le ralenti sur ce stop. Regardez-moi ça. Tous ces moves pour au final rien du tout. Je pense que c'est comme si t'avais révisé toute l'année pour avoir ton bac et au final, tu l'as pas. Attention, la poussée de balle de Mos sur Malik. Et ça ne passera pas. Très belle défense de côté de la team Bouscapé. La team Bouscapé, attention, la frappe de Léamsi. C'était chaud. La contre-attaque. Oh, attention, mais quel match incroyable! Ça ne s'arrête plus. Le contrôle du goal, attention, ça chauffe côté team S3. Ça chauffe. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça finira en sortie de but. Ça ne s'arrête pas. Malik sur la touche. Mohamed qui repart. Mohamed, attention, la frappe, c'est détourné. Et la frappe de Malik, et ça fait 4-2 pour la team Bouscapé. Réduction du score dans les tout derniers arrêts de jeu. Est-ce qu'ils vont réussir quand même à rattraper ce score de 4-2? C'est ce qu'on va voir dans les prochains instants de ce match. Et malheureusement, c'est terminé. L'arbitre siffle. Le coup de sifflet final
finale du match. Victoire de la team S3, 4-2 face à la team Bouscapé pour ce premier match des S3 Street Games. Et je rends tout de suite l'antenne, c'est parti. Ok, fin de la vidéo. Victoire de la team S3, les gars, vous pouvez vous abonner. Ok, voilà, c'était le premier match des S3 Street Games. Gros big up à Bouscapé qui nous a fait l'honneur d'être là. Mais en attendant, on a un petit bonus pour vous, un petit bonus pana, parce qu'on a Mr. Soufiane Benko qui est là aujourd'hui. Mr. Benko, champion du monde, poteau, voilà, il va nous faire un petit pana avec comme t'es chaud. Je suis toujours chaud, ma gueule. Cette vidéo en entendant, les gars, la recette n'a pas de chance. J'ai, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de